Bonjour, c'est une nouvelle vidéo, voilà. Je me teins les cheveux, c'est parti. En fait, ça fait genre 3 ans, j'ai pas fait de décoloration, pas de teinture, rien du tout. Et vas-y, j'avais envie de faire quelque chose. Et puis, comme j'ai les cheveux courts, si j'aime pas, j'ai juste à raser. Voilà, c'est simple, c'est rapide, efficace. Donc, regardez là, hein. Je vous montre, ça c'était mes coupes d'avant, tout ça. C'est parti, hein, produit, tout ça, vous connaissez. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté pour être sûr que ça coule. Crème oxydant, volume 30%. Je crois que vous vous en foutez. On dirait une meuf qui présente des produits. Bref, Coiffeo, ça s'appelle. En fait, j'ai acheté tous mes produits chez Blue Libellus. Ceux qui connaissent, c'est bien pour les teintures, les colorations, tout ce que tu veux. C'est pas si cher que ça. J'en ai une deuxième de 20%. C'est pour faire un dégradé, tu vois. Dans le sens où je vais le faire fort pour que la couleur change. Que ce soit bien blond, blanc. Et soit je laisse comme ça, soit je peux faire une couleur. Ça, je peux toujours l'utiliser. Donc ça, c'est L'Oréal pareil, Colorista, Monoprix, Auchan, etc. Et bien sûr, en fait, la crème, là, les deux pots de crème que je vous ai montré, ça se mélange avec ça, la poudre. Ceux qui connaissent décoloration, il y a de la poudre et l'oxydant. L'oxydant, tu mélanges à la poudre. Bref, j'ai mis un t-shirt vilain, explosé de ouf. T'as vu, parce que des fois, avec la teinture, tu en fais tomber, ça décolore. Donc je disais, je parlais de ça et de ça tout à l'heure. Ça, ça dépend de ce que vous faites, mais quel que soit le volume que vous achetez, attends, c'est quoi? Je crois que quand tu mets une dose de ça, t'en mets deux. Normalement, il faut mettre des gants parce que ça te brûle les doigts si tu l'appliques directement. Moi, comme je suis un schlag qui n'est pas de gants, je vais le faire direct et je me laverai les mains. Ce qui n'est pas conseillé de faire, donc je vous le déconseille. Putain, on dirait vraiment que je fais des tutos, c'est horrible. J'ai mélangé, ça a l'air bien, ça ressemble un peu à de la pâte. Eh mais c'est nocif de ouf, ça me pique le nez. Moi je suis un ouf, je respire en plus. Ne faites pas ça, hein. D'ailleurs je vais aller chercher mon masque tout de suite. Jusqu'à j'ai les yeux qui piquent. Franchement faites attention quand vous mettez ce genre de produit. C'est parti, je vais mettre ça sur ma tête. Bah oui, bah bien sûr. Je voulais filmer en mode ralenti tout le truc. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Fait chier. Donc voilà, j'ai commencé à mettre le produit, j'ai fait ça comme un schlag. J'ai ma tête qui me brûle, parce que normalement je suis pas censé mettre sur le... Faut pas que ça touche la peau. Ça commence à changer de couleur comme vous voyez, je vais vous mettre le reste au ralenti, mais c'est pas évident tout seul en fait. Il faudra un miroir pour voir derrière. A few moments later. Super, la qualité de ma vidéo est devenue médiocre, j'ai fermé la porte car je ne suis plus tout seul. Ouais, faut bien enlever sur la peau sinon ça brûle, et si tu mets pas bien sur les cheveux, les endroits ça va rester noir, ça va être vilain de ouf. A few moments later. Ouais, la première fois ça fait ça, parce que comme mes cheveux sont noirs de ouf, voilà, je suis roux. Mais c'est parti, on passe à la deuxième décolo. Cette fois-ci, je mets du 30%. Parce qu'il faut que ce soit plus puissant, il faut que ça soit décapé là. J'ai mis des trucs sur mes oreilles là. Et bien, c'est trop bien, mais ça va rien. Bref, j'ai commencé à le mettre dans les endroits où j'avais du mal, où c'était resté noir. Ça commence à prendre avant et j'ai trouvé un gant incroyable, j'ai trouvé un gant dans mes affaires. Je suis un vieux coup, puis tout à l'heure je peux brûler les doigts, j'ai la boue des doigts là. Faites pas ça sans gant, hein. Faites pas comme moi, hein. Bizarre. Ben oui, ben oui, ben oui. Bien sûr. Mais oui, toujours sous ma peau là, après ça va me brûler le crâne. Imbécile. Bon, on y va, là je vais m'atomiser la tête avec le reste. C'est parti. Ça devient un peu plus blond. Maintenant je laisse poser 20 minutes. Mais en vrai quand je commence à poser je regarde déjà l'heure, parce que si tu dépasses trop t'as plus de cheveux. Ouais, désolé pour la qualité vidéo, elle est pas ouf. D'ailleurs j'en profite pour vous parler un peu de ce que je fais. La plupart vous savez déjà, je fais des vidéos sur Instagram, maintenant j'en fais un peu sur YouTube, aussi TikTok, et j'ai créé une cagnotte sur PayPal afin de pouvoir financer différents projets, mais acheter du matériel aussi, caméra, trépied, micro, tout ce dont j'ai besoin pour faire de meilleures vidéos. Donc c'est dans la description, je vous mets le lien si vous voulez faire un don, etc. Ça me fera extrêmement plaisir, et il y a déjà des gens qui ont participé à cette cagnotte et grâce à eux j'ai pu acheter ceci, je vous montre. Et voilà, ça va me servir énormément pour les vidéos. Donc, ceux qui ont mis de l'argent, parce que c'est un truc de ouf, on se connaît pas et vous me soutenez à travers ce que je fais, et ça c'est fort. Parce que les gens que je connais, ils n'en font pas autant que vous. Enfin, certains. Donc, c'est fou. Merci. Et si vous voulez quand même participer, vous n'avez pas de thunes, il y a un lien YouTube aussi. YouTube, c'est une espèce de plateforme où vous pouvez soutenir les créateurs.
Et donc, il suffit de regarder une petite vidéo, une publicité, ça donne quelques centimes. Ça vous coûte rien, et moi, ça me rapporte de l'argent, donc c'est cool. C'était le moment pub. Ça pique un peu, là. Zap zap, hein, ça brûle, ça, tu clips, ça, tout, incroyable. Ah, j'en ai marre, là, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça, là. Je suis cinglé dans ma tête. The dream, oh, nanana, nanana, oh. Là, je fais le malin, mais ça pique, ça commence à me brûler. Ça a l'air jaune. Tout ça m'a l'air pas faillite. A few moments later. Vas-y, vas-y, est-ce que c'est... Ça m'énerve parce que c'est bien blond sur les côtés, mais pas là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire juste là-haut. Et au pire, si c'est explosé, je mets la couleur direct dessus et fin. Voilà, plastique, tout ça, cellophane, t'as vu? Parce que t'as vu, là, j'ai envie que ça fonctionne bien. Moi, j'ai des cheveux d'asiatique, vous avez vu comment ils sont? Ils sont bien! Oh bah, en vrai, je vous ai menti qu'il n'y a pas que la teinture. C'est les soins total. Je vais me raser puisqu'il y en a trop, ça me saoule. On y va. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, je sais plus quoi dire. Je suis dépité. Je laisse poser 20 minutes, puis genre, c'est fini. Ça finit toujours mal avec moi. Je fais même pas exprès en plus, c'est ça le pire. À la base, je voulais acheter du gris ou du blanc. Il n'y en avait plus. Je me suis dit, vas-y, bleu. Après, ça deviendra vert à force de laver. Et nique. Hein, on n'a qu'une vie. Ça va pas, je rase. Bleu électrique, bizarre. Vous savez quoi, je vais vous mettre une petite photo, une petite vidéo stylée. On me voit bien. Pourquoi je tape la pause, c'est une vidéo. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien, même. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que vous aussi, vous kiffez ma couleur comme moi j'aime. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Ma chaîne, je mets là le truc là, abonné. C'est la première fois que je fais une couleur comme ça. Vraiment, enfin, je crois que c'est ma meilleure couleur. Hein. Voilà, j'ai kiffé. Je suis ouf, je regarde là-bas, il n'y a rien. Je fais carré, genre, ouais, j'aime bien, ouais, génial. Super.